Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Cette petite vidéo sera basée sur l'herbe, en fait le coupage d'herbe, mais dites-moi dans les commentaires, parce que il me semble que là je suis avec la classe DirectX disque 520. Normalement j'ai mis une barre de coupe pour couper de l'herbe, alors que ça en fait sûrement de l'ensilage. Alors je ne sais pas le pourquoi, le comment. Si vous pouvez me dire le pourquoi dans les commentaires, ce serait sympa de votre part. Donc, je vais aller couper de l'herbe ou ensiler, parce qu'apparemment, ça va faire de l'ensilage, vers la coopérative, si je peux dire, où on vend l'orge, le colza et tout le reste. Donc, c'est parti. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Donc c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire, et puis je cherchais d'autres modes, entre autres avec le Chronedisc XV12 GMRC, pardon. Donc la classe DirectDisc 520, c'est le disque qui est devant, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si. Voilà, celui-ci qui est juste devant. Donc, je vais me reculer un peu. Ce disque-là. Et donc, par contre, la machine, c'est la Chronebeak XV12 Congo. Congo. Je sais plus exactement. Je vais aller voir ça. Je m'en excuse. J'ai bouffé le nom. Alors, je vais voir dans les possessions, ce sera plus simple. Cargo. Voilà, pardon. La Krone VX-V12 Cargo. Voilà. Normalement, ce disque-là, je coupe de l'herbe, mais ça me transforme en ensilage. Alors, est-ce qu'il faut une autre machine pour couper de l'herbe ou pas, je ne le sais plus du tout. Donc je sais que normalement si on adapte un disque pour couper de l'herbe, donc ça c'est un coup de l'herbe habituellement, ou si on met une barre de coupe pour couper pour faire de l'ensilage maïs, alors ça me paraît un peu bizarre. Bon, dites-le-moi dans les commentaires, ça va repasser bien sûr. Donc je suis toujours en train de préparer, bien sûr, si je peux dire, le terrain pour les vaches. Donc peut-être mettre la deuxième. J'ai quelques bottes de foin. J'ai de la paille. J'ai de l'ensilage, donc à part qu'il me manque de l'argent bien sûr pour acheter la mélangeuse, donc j'ai pas de cheaté non plus, parce que bon si c'est trop facile on va dire. Donc bien sûr j'ai bien sûr du colza qui est en train de pousser. Donc il y aura ça à faire aussi bien sûr dans les prochaines vidéos. Et donc j'ai coupé de l'herbe ici. Que je puisse. Voilà. Donc on va démarrer ça. Je peux encore reculer encore un peu. Normalement, ça devrait fonctionner.
sûr, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, il n'y a aucun souci. Vous serez les bienvenus, bien sûr. C'est vrai que sur cette map, la Belgique profonde V2, elle est très bien faite. Je l'adore, ça c'est vrai. Mais le truc qui est bête, voilà, c'est qu'on veut mettre des grosses machines, il faut trouver le matos, si je peux dire, adapté, parce que par rapport à la map. Parce que la foule cherche en fait aussi, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, parce que je cherchais des modes que je puisse adapter pour ce type de machine que j'ai là actuellement, donc la Chronobit X V12, donc qui fait que voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait non plus de vidéo depuis quelques jours. C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas me couper, alors que c'est à temps normal, ça me le fait, mais là ça n'a pas envie de me le faire. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux couper de l'herbe. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Si vous avez l'explication, si moi là je ne comprends pas. On dirait comme vu que j'ai pas le champ approprié qui se trouve là justement sur notre droite, du fait que je l'ai pas acheté, j'ai l'impression que c'est dû à ça en fait, que je peux pas y passer la pour couper de l'herbe pour en sceller, ou est-ce que je sais pas, c'est la seule explication que je peux constater. Bon, ce serait si je peux dire, parce qu'on n'a pas le champ, on ne peut pas couper de l'herbe, ce serait un peu ridicule, ou idiot comme vous voulez.
pense que je vous ferai une petite démonstration, enfin une présentation d'un mode que j'ai trouvé sur une moissonneuse, vraiment pas cher du tout. Je ne vous dis pas le prix parce que là c'est sur une vidéo sur de l'ensilage ou couper de l'herbe. Avec quelle machine que je fais et quel outil bien sûr, enfin l'outil à l'ensileuse et le disque que j'utilise. Mais je vous ferai ça, je pense que après cette vidéo là. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller chercher mon tracteur. Donc je vais faire haut, je vais me préparer. Je vais aller chercher mon tracteur. Le voilà. Vu que je suis pas loin de là avec la remorque. Donc on va mettre le gyrophare. Et si je me trompe pas, il faut que je tourne à gauche.
comme vous pouvez le voir, j'ai des machines qui sont en cours de vente. Donc je vais me mettre dessous. À 100%, je pense que c'est vrai qu'il tombe tout seul celui-là. On doit en rester dedans à 17%. Allez, je vais ramener ça à la ferme, mais je pense que ce sera plutôt de l'ensilage. J'en ai bien peur. Je vais essayer de le mettre dans... Pourquoi ça a été toujours fort ? Dans le truc à herbe, mais je pense pas que... Je pense plutôt que c'est plutôt de l'ensilage. Si vous avez l'explication, ce serait sympa de votre part. C'est pas de la même couleur, c'est pas vert, c'est plutôt vert, vert clair, mais c'est vert. C'est plutôt de l'ensilage. Donc en fait, il faudrait que j'achète une machine qui fait pour couper de l'herbe. J'ai bien peur que je puisse pas passer. Mais attendez, je vais descendre, je vais enlever le tracteur.
je vais aller chercher l'ancellose. Donc après je m'arrêterai là pour cette vidéo. Mais je vous fais cette plantation d'une moissonneuse qui est vraiment pas chère. Mais je vous dis pas le prix parce que ce ne serait pas une surprise sinon. Il faudrait que j'avance encore un peu. Mais comment je vais faire ça?
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis bonne vidéo à tous, à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je m'efforce bien sûr à chercher d'autres modes pour vous présenter comme ce classe Dix Direct Dix 520. Bon, la Kronbeat X V12, vous la connaissez déjà, je pense. Mais bon, c'est vrai que je cherche des modes qu'on puisse adapter pour cette Belgique profonde V2 qui est, je dirais, magnifique. Mais le problème, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle machine comme vous le savez, je pense. Donc, je vous dis quand même bonne vidéo à tous. À bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Fred, bien sûr. Et je vous dis à bientôt. Bye bye à tous. Bye.